Ils ont planté un érable pour la paix. Les représentants des différents cultes pisciakés ont répondu présents après les événements contre des lieux de culte, de mémoire, qu'ont connu la France et les Yvelines. Je trouve formidable que le maire, M. Carl Olive, ait répondu à l'appel, à sa façon, à l'appel que j'avais lancé, que chaque mairie plante un arbre. Et puis on a senti des vibrations de fraternité ici, par-delà les cultes des uns des autres, par-delà même l'absence de religion, mais la volonté de vivre quelque chose ensemble. La partie cachée étant la racine, c'est-à-dire la filiation. Quant aux deux autres parties, il y a le tronc et il y a les branches. Et quand les branches se chamaillent, c'est parce qu'ils ont oublié le tronc. Le tronc par lequel qui les supporte. Et là, il faut dire stop parce que la France, notre belle République, ce n'est pas cela. La France, il faut se tenir debout pour le bien vivre fraternellement ensemble. Nous sommes juifs, nous sommes catholiques, nous sommes musulmans, nous sommes flics, nous sommes protestants, nous sommes tolérants, nous sommes ensemble. C'est au cœur du jardin de l'Olivier que l'arbre a été planté, un lieu pensé par les cultes monothéistes et la ville de Poissy en 2016. Il est nécessaire, je pense, que nous montrons, que chaque fois que quelqu'un est attaqué, est atteint, montrer notre union, notre désaccord et notre fraternité doit s'exercer au quotidien, dans des petits gestes. En 2018, les actes à caractère antisémite étaient en hausse de 74%.